cái này á là kiểu sân vườn của nhà người ta nha. Thì cái thì người ta sẽ cho là cái chủ của đàn cừu này nè sẽ để cho những cái đàn cừu này ăn cỏ ở trong vườn, thì như vậy là không cần phải cắt cỏ mà tụi nó sẽ ăn sạch sẽ luôn, một công đôi việc á. Mà nhà của mình thì mình không có để cho cừu nó vô ăn như vậy được, tại vì nó mà nó ăn là nó ăn luôn rau cỏ này nọ luôn, cái gì nó cũng ăn hết á. Còn cái này nhà người ta thì người ta trồng cây lớn thôi, thì người ta cho nó vào ăn được. Con dở. Con gì? Con này dở. Dở là sao? Không mua chăn. À dơ. Dở. Dạ đúng rồi, những cái mông nó trắng. Hiện tại vì tụi nó cứ lăn lộn ở dưới cỏ rồi tụi nó ăn suốt mà. Tai của mấy con này là có đeo, có đánh số hết á. Ăn tối ngày à mấy đứa ơi. Hai hôm nay á là được cái trời mưa cho nên nhìn cây cỏ nó xanh mướt luôn nè cả nhà. Với lại mấy cái cây rong ở trong vườn hoa nó cũng phát triển tốt hơn nữa. Bởi vậy á, cái gì cũng phải có mưa mới được. Ở đây á, đang có một con nai nó đang ăn lá. Mà xa quá cho nên điện thoại hoa zoom lại á, nhìn nó không có rõ được. Lâu lâu là hay có mấy con nai nó băng từ cái rừng bên kia qua đây á, nó ăn á, nhiều lắm. Hoa phải chạy đi lấy cái găng tay á, là tại vì ha, nó cứ dính vô tay hoa khó chịu. Tại cái bột đậu xanh này nè, nó không có giống như là cái bột mì, nó hơi dính dính á. Cái bánh cam này nè, ở ngoài miền Bắc thì hình như nó tên là bánh rán lúc lắc, còn ở trong miền Nam thì gọi là bánh cam. Nhưng mà bánh cam ở trong miền Nam là người ta còn bọc cái mặt nha ngoài nữa, mà hôm nay thì Hoa sẽ không có làm bọc mặt nha ngoài đâu, là tại vì Alex không có thích ăn. Alex thích là để không vậy á, tại vì bọc mặt nha ngoài nó ngọt quá. Alex là thích ăn chua, không thích ăn ngọt, cực kỳ ghét ăn ngọt luôn. Ngọt vừa vừa thôi thì được, chứ còn mà ngọt ngay á là Alex ghét lắm. Cái bánh cam này nè, ở hồi mà Hoa đi lên trên Paris á, ở trên đó đi xong rồi các Hoa đi vào chợ Châu Á ở quận 13, cái người ta bán nhiều lắm luôn á, một mà Hoa không nhớ là bao nhiêu tiền, lúc đó Hoa có mua cho Alex ăn á. Alex khoái ăn bánh này lắm. Công thức làm bánh thì Hoa học ở trên YouTube của kênh Cô Ba Bình Dương. Thì ở cái kênh này là Hoa thấy là làm món ăn nhìn bắt mắt lắm kìa. Mà giọng nói của cô cũng dễ nghe nữa, cho nên là thường thường Hoa làm món ăn thì Hoa sẽ hay coi trên đó. Mấy ngày nay là Hoa đi làm thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, làm 4 ngày liên tiếp luôn. Xong rồi về mệt quá, cái Hoa cũng lười quay video. Chỉ có ngày hôm nay là được nghỉ ở nhà, cho nên là Hoa mới làm đồ ăn để có cái quay cho mọi người xem nè. Bởi vậy là cả nhà thông cảm cho Hoa nha. Xong rồi cũng bị bệnh nữa, nghe cái giọng nói cũng khàn nè. Cho nên thành ra là cũng lười, không có quay được. Cho nên cả nhà đừng có thấy Hoa không ra video xong rồi lại quên luôn hai đứa mình nha.
hai canh ô. Dạ. 15 hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Ăn chung với hủ tiếu. Dạ. Mẹ chồng hay là đang làm mấy cái đậu que quấy. Chúng ta là bia ăn Việt Nam. Nói rõ và nói đúng. Nói rõ tiếng Việt. À, cần bao nhiêu? Hái hết cái đó đi. Hai cái. Hái hết luôn. Nguyên cái chùm đó đó. Chú cúp bê tuốt. C'est vrai? À, lấy cắt sát quá luôn á. Ừ, cắt hết. Mà nhưng mà cắt sát quá à. Ừ. Sợ là không biết cắt sát như vậy mới mốt nó có mọc lại nữa không? Bình thường thì hoa chỉ hay cắt một nửa thôi để chừa cho cái phần mà khúc cây á nó mọc mà. À, lấy cắt sát quá hơi kệ đi, còn nhiều lắm. Dạ, cắt luôn cái đó đi. Chứ mai mốt nó nở hoa cũng vậy, ăn không kịp. Đúng rồi. Trồng thì lâu, mà ăn á hả thì lẹ. À, quê. À. Trời, ça bouge très vite. Regarde, c'est joli hein. Oui. J'aime bien moi. C'est bientôt, on a les haricots. Oh oui, bientôt dans ceux-là, tu vois, les premiers. Ah oui, celle-là. Ouais. Đậu que ngắn. J'espère que bientôt je ferai du mi-temps. Ouais. Profiter de la maison. Profiter. Ah, ah oui. Et là, je sens que je suis quand même beaucoup fatiguée. Vous autorisez. Cái này là cái lá tía tô Hàn Quốc này mọi người. Trời, nó mọc thấy cưng ghê luôn á. Này để ăn thịt nướng nè. Hạt này là của hạt năm ngoái á, mà nó mọc quá trời luôn. Thấy đã ghê. Còn tía tô Việt Nam vẫn chưa mọc nha. Alex làm cái gì nè? Alex lắc rau. Lắc rau ha. Đúng rồi. Để nó ú chu. Hoa chỉ lấy cái phần ngọn thôi cho nó non, tại vì nhiều mà ăn ăn cái phần ngon thôi, phần già già bỏ đi. Mà bên đây thì ba mẹ Hoa là không có thích ăn cọng, nên là mình chỉ lấy cái phần lá mình ăn thôi, tại vì cái cọng thì dân bên đây nó không, dân bên đây người ta không thích ăn, nó dai á. Rau này mềm hơn. Dạ. Rau này mềm hơn. À đấy, cô không có thích ăn nữa, đấy chỉ thích ăn mềm thôi. Alex thích ăn hết. Thế ăn hết hả? Đúng rồi, anh ăn hết. Cái này nó cũng lớn rồi, nên Hoa cũng nghĩ là nó già rồi. Nè, nó không có non nữa. À, đúng rồi. Thấy cái phần đầu này nè. Ừ. Cái này còn được mà. Nó có cái đi truc noir. À, ok. Cái này nó bị rệp rồi nè. Bị, bị có mấy con màu đen đen nè. Trồng này có không ta? Không, mà hồi vô phải rửa cho nó kỹ lại, sợ không, này không có, chỉ có cái nó bị thôi. Hôm nay thì Hoa sẽ làm món hủ tiếu khô cho cả nhà ăn. Thì cái nước sốt chan hủ tiếu khô này nè, thì Hoa sẽ phi hành tím thơm lên, xong rồi Hoa có là nước tương, dầu hào, một tí xíu tương ớt, tương cà. Với lại Hoa thay vì Hoa dùng đường thì Hoa sẽ dùng cái mật ong mà của cái hoa acacia mà hồi trước Hoa hái á. Thì cái mật ong này là họ bán ở trong siêu thị nè. Hoa sẽ dùng mật ong này vào cho vào cái nước sốt để cho nó không có bị ngọt quá như là đường. Đáng lẽ cái nước sốt này nè thì phải làm thêm tỏi phi nữa nó mới ngon, nhưng mà ở trong nhà Hoa kiếm là không còn một củ tỏi nào luôn. Hoa cứ tưởng đâu là còn, nhưng mà ai dè hay là hết sạch luôn rồi á.
để mai mốt là phải mua. Ở trong nhà thì có hai người đàn ông là không thích ăn tôm, còn Hoa với mẹ Hoa thì thích ăn tôm. Oh, pour dire xin chào. Xin chào. On a déjà mangé tout. Tu peux manger? Non, regarde. Tu peux manger avec ça, ça c'est bon. Chán ghê luôn á, Hoa nhớ là Hoa đã bấm quay rồi đó, nhưng mà không hiểu sao á là cuối cùng lại vẫn không quay, hay là do cái điện thoại nó cảm ứng nó không có được nhạy nữa ta. Bởi vậy là bây giờ đã ăn được gần một nửa luôn rồi, xong rồi cái Alex mới đi kiểm tra lại thì phát hiện ra đúng là không quay. Mặc dù là ăn được một nửa nhưng mà ba Hoa là đang mãi coi cái chương trình mà karaoke á, tại hôm nay là chung kết hay sao không biết nữa. Hay là mẹ Hoa là mới kêu thôi ăn trước đi chứ mẹ Hoa đói bụng lắm rồi. C'est bon. Moi je regarde à chaque fois. Mais t'as bien fait. Oui, oui, mais ça fait déjà deux fois que je sauve la vidéo. Parce que la dernière fois, on a mangé moitié. Mm. Et du coup, ça ne filme pas. Et puis moi, j'ai regardé la caméra et j'ai vu que l'objectif, il était tout petit, petit. Je me suis dit, est-ce que ça filme? C'est pas normal que c'est si petit. Et ben, ça ne filme pas, c'était éteint. Ah, mm. Oh, mais c'est bon, ouais. C'est très bon. Hein. Ah, tes oignons frits, c'est le meilleur. Mmh, c'est le meilleur. C'est pas le craquant. Le craquant. Oui, mmh. Jure bien. Mmh. Moi, j'adore la viande comme ça, ça sioux. Ah bon? Tu ouais. L'aimes? Moi, j'adore la sauce comme ça, la sauce de viande. Mmh. Mais ça, c'est vrai qu'on mangeait souvent à Saigon, ouais, le soir. Ouais. Ça, c'est plus le soir, non? Parce qu'il y a des plats du soir, des plats du midi, oui. C'est comme ça en fait. Mm. Et puis au début, ça prend un moment à savoir quoi et quoi, parce que bah, pour nous, tu vois, il y en a certains qui sont que le soir, et d'autres qui sont toute la journée. Ah oui. Mm. Et d'autres que le midi. Ou, t'as été voir en bas les patates, comment elles sont bien? J'ai refait un peu de réfort tout à l'heure. Voilà, faudrait refaire. Mais j'aime bien la météo comme ça. Mais... Ils aiment tout la météo. Ouais. Ouais. Mais ça aime pas trop le froid. Ah bon? Non, 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 non. Moi j'ai vu les années où c'était hyper tardif les étés. Ils ne poussaient pas trop. Hein. Très bon. Merci. C'est très bon. Ouais. Mais tu aimes tout. Ben oui. Tu aimes tout la vitamine. Ouais. Vas-y, tu vois. Si c'est pas trop épicé, j'aime bien, tu vois. Ouais. Il fait pas épicé. Mais il n'y en a pas beaucoup des plats vietnamiens épicés. Ouais. Souvent, tu le mets à côté. Oui. C'est ça. Souvent, c'est sur la table. Ça fait pas comme en Thaïlande où ils mettent tout dedans. Ouais. Tu peux ajouter. Okay. Je pourrais pas en Thaïlande. Non, 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 moi non plus. Mais trop épicé pour nous. Au Vietnam, si t'en veux pas en manger des piments, t'es pas obligé. Hein. Oui, bah oui. C'est eux qui choisissent d'en manger. Il y a même des gens qui en mangent pas non plus, je pense, ah au oui. Vietnam. Hein. Bah ouais. Oui, c'est sûr. Mais tu peux manger le reste avec la cuillère. Ouais, ouais. Marie. Alors bah, elle a eu chaud, hein, mais elle était dans le fauteuil, elle est... c'est bon. Elle a gagné combien? Eh ben là, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai vu. Ouais. Omné, Agné. Mmh. Anne Roy. Tu dis qu'on a déjà mangé. Ah. Anne, put you. Pour toi. Pour toi. Allez, il faut que tu mélanges. Ouais, faut mélanger. Ouais. Faut mélanger tout dedans. Ouais, tu mélanges. Pour que la sauce, elle se mélange dedans. Ouais, ouais. Si c'est trop sec, tu manges la soupe. Oui. Et ici, ce n'est pas assez salé. Ouais, tu peux remettre de la sauce comme c'est ça. C'est la même sauce, ça. Oui, c'est ouais, la même. C'est la même. Oh. Oui, bah, t'as mis encore le machin. Oui, bah, t'as encore la sauce. Oui, je vais mettre un peu. Oui. Puis tu peux aussi prendre des herbes ici. Mmh. Elles sont amères? Non, ça n'a pas. Ah non, c'est que les baguettes aujourd'hui. Mais si tu veux, je vais t'en chercher des fourchettes. Oui, prends une fourchette parce que c'est une Mathieu. La dernière fois, j'en ai mis, mais ce coup-ci, j'en ai pas. Ouais, mais parce que. Ouais, c'est bon, je t'en vais. Pour les spaghettis, c'est mieux. Ouais. Hé, hey, regarde, moi, Gérard, j'ai mangé tout avec ça. Hein, moi ouais. T'arrives bien. Moi, j'arrive bien maintenant. Tu vois mmh,
Yeah. On met encore les oignons. C'est bon, hein, les oignons frits. Ramène le manicam aussi, oui. Je ramène après le manicam. Ah, tu peux le ramener. Ouais. Mais ça, c'est les oignons frits qu'on a fait. C'est bien parce que là, ça, c'était au Vietnam. Ah oui. Et c'est meilleur en France. Ah oui. Parce que ça, c'est que oignons. Mm-hmm. Et en France, ils mélangent avec échalotes. Du farine de blé. Ah oui. Non, parce que ça, c'est que des échalotes. Ah, échalotes. Mais enfin, ils mélangent avec farine de lait. Ah, oui. Lait aussi. Moi, j'aime bien les échalotes, je sais pas. Mm-hmm. On est mis là-bas. Je préfère même limite que les oignons. Moi, ça c'est un gagne, coup différent. Mais... 3000 euros, elle est dans les masters. Ah, oh, vite, va voir. 3000 euros. Vas-y, vite. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien alors? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la pub. Là. J'ai vu à travers la porte que c'était la pub, tu sais, de Garage AD. Là. T'as pas encore fini? Non, j'ai pas encore fini. J'en mets un petit peu d'oignon au frit. C'est le dessert ou alors? Oui, c'est le... Alors, dis voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un gâteau vietnamien. Et dedans? Dedans, il y a les haricots mongo. Ah oui? Mmh. Les mongo. Ah oui, c'est ce que tu avais mis sur la table. Oui, c'est ça. C'est délicieux. C'est bon? Non, c'est bon, hein? Mmh. Oui, moi, ouais, t'aimes bien. J'ai refait un essai. Moi, j'aime bien aussi. On est gourmand, c'est pour ça aussi. Mmh. J'ai c'est fait... Bon. C'est pas trop sucré. Ben, non, justement, je trouve que ceux au Vietnam, ils sont plus sucrés, moi. Oui, c'est ça. Parce qu'au Vietnam, il y a deux façons pour faire ça. Soit tu fais comme ça, soit tu mets les caramels. Ah oui, j'ai refait un essai. C'est bon, sucré. Ben, tu mets dans, dans l'huile. Ah. Oui, dans les poupes, ça monte. Sans payer 1500 oui, balles. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, j'aurais un peu mal au dos, mais en même temps, c'est peut-être pas évident de doser ça avec c'est la bon. Parade, ça sert rien. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est meilleur après, après qu'il est refroidi. Ouais. Parce que moi, j'en avais goûté un quand c'était encore chaud, et je trouvais, ah, c'est pas tout à fait pareil. Et là, maintenant, si. Tu vois. Parce que là, c'est que tu as fabriqué ou comment? Oui, ah, ouais, c'est elle qui a fait ça. Tu as fait comment? Avec la machine. Tu sais, c'est quand elle faisait ce midi qu'on aurait dit que c'était de la purée. Ah oui, que je croyais que c'était de la paella. Voilà. Ah voilà, c'est la paella. On aurait dit que c'était de la purée un peu que ah, tu faisais. Ah oui, c'est ça. C'est avec ça. Oui, c'est de la paella. Ben non, c'était ça. Oui. Ah. Parce que ça, c'est le truc dedans. J'aime très bien. C'est bon. Moi, j'aime bien moins sucré comme ça. Encore au Vietnam, c'est un peu trop. Ouais, un peu trop des fois. C'est impeccable. Et c'est bon avec les sésames. Les sésames, oui. Ouais. Moi, je mange ça à l'italienne. Oui, les Italiens, c'est comme ça, les spaghettis. Oui, oui. Voilà, caramba. Mais c'est pas vraiment ça, c'est pas italien, ça. Non, c'est espagnol. Ça. Tu peux faire goûter au patron, voir s'ils veulent en faire à la boulangerie. On a une idée de nouveau dessert que les gens ici ne connaissent pas. Ouais. Ça marche peut-être. Hein? C'est sûr. Les gens sont curieux aussi. Hein, donc. Tu peux prendre pour que Lilia. Ça s'appelle comment ah, oui. En vietnamien? Ban Cam. Ban Cam. Ah oui, oui, c'est ça. Ban Cam. C'est ça. Ah, oh, ben voilà, quoi, un mot de plus. Parce que ban, ça veut dire pain, c'est tous les pains, gâteaux, oui. C'est un mot pour tout. Gâteau, c'est un mot un peu fourre-tout qui veut dire que, tous les trucs à base de pâte, en fait. Ouais, et puis cam, c'est orange. Parce que, bah, en général, il est c'est comme un orange. Il les peigne en. Enfin, ils mettent le truc caramélisé de ça fait orange, un peu. Ah, d'accord. Puis la couleur aussi, orange. Ouais. Souvent. C'est très bon. Ouais, ça veut dire. Merci. Ils sont tous pareils, là. Ils sont bien. Ouais. Oui, tout pareil. Est-ce que tu as un moule pour faire ou tu fais non, un moule comme ça. Ah, ouais, d'accord. Comme ça. C'est fait comme il faut, hein. Ouais, ouais. On croirait que c'est fait avec une machine. Tu combien on a acheté
C'est des desserts qu'Awal a fait. Ah oui, des choux à la crème vietnamien. C'est du, je croyais que c'était des boules de pain. Non, non. C'est sucré, mais pas trop. Ouais, un peu, mais pas beaucoup. C'est bon. Hein. C'est fait avec du manioc ou un truc comme ça? Non. C'est la farine de fruits avec la farine de clouan. Et puis les pâtes de haricots, là. Oui. C'est vietnamien, du coup. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien bon. Réussi, ouais. Merci. On va pas être là, c'est aussi chaud. Oh, c'est chiant. D'habitude, le soir, il fait frais ici. Ouais. Oh, là, il y a de la fraîcheur, maintenant. Il fait pas chaud, le soir. Ouais, mais dans le bureau, je vais crever en haut. Oh non, hier, il faisait chaud, le soir. C'est très chaud. Oh non, hier, très chaud, le soir. Bah oui, mais le problème, c'est que nous, la chambre, elle est plus chaude que vous en bas. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. On l'avait joué tous les deux dans la porte. Ah bah si, il faisait ça. Quand il arrivait au bout, c'était quoi? Ça faisait après il buguait, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Tính ra là cái bánh cam này là hôm nay bán đắt ghê nha. Mẹ là ăn 3 cái, xong rồi ba là ăn 2 cái, nhưng mà lúc mà tắt máy quay á, xong rồi cái ba ăn thêm 1 cái nữa. Rồi Alex đó là ăn cũng khoảng 2-3 cái gì đó. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video đến đây nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex của Sống Pháp. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.